Hugo, hélas, répondait André Gide à l'enquêteur qui lui demandait le nom du plus grand poète français. Je répondrai, Hugo, Dieu merci. Hugo est le plus célèbre et le plus ignoré de nos écrivains. Sur son visage, la gloire est un masque. Il est moins à célébrer qu'à découvrir, et Léon-Paul Fargue disait de lui excellemment, voilà un poète d'avenir. Tout est dans Hugo. Que l'on me pardonne donc mes silences, mes lacunes. Il est l'épopée, le lyrisme, la fantaisie, la cocasserie, la satire. Il est le poète proté. Il n'évoque guère ses prédécesseurs, mais il est fort peu de ses grands successeurs que, selon la page, furtivement, il n'annonce. Tandis qu'un pâtre aimé des muses, qui n'a que la peau et les os, regarde les choses confuses dans le profond ciel plein d'oiseaux. Est-ce le Verlaine des fêtes galantes? Non, c'est le Hugo de la chanson des rues et des bois. Il est des jours de brume et de lumière vague. Est-ce un vers de Baudelaire dans Spleen? Non, c'est un vers de Hugo. Têtant la nymphe ivresse en leur riant envie. Mallarmé, dans l'après-midi d'un faune. Ses ébats glorieux des déesses mouillées. Valérie dans la jeune parc, non, toujours Hugo. La nuit est une illusion des étoiles, la nuit est l'ornière des étoiles. La racine enfante dans l'ombre, une rose pour le soleil. Ce sont des aphorismes de René Char, non, ce sont des phrases de Victor Hugo. Si tout est dans Hugo, il y a cependant une hiérarchie, il y a des profondeurs et des surfaces. Je voudrais rappeler rapidement les surfaces et m'attarder sur les profondeurs. Hugo est le seul de nos écrivains à avoir atteint, au-delà de la gloire littéraire, la popularité, cette gloire en gros sous, dont parle le Don Salluste de Ruy Blas, le seul de nos écrivains à vivre vraiment dans le cœur du peuple. Il est le seul écrivain qui partage avec les dieux et les demi-dieux de la Troisième République, Gambetta, Jules Ferry, Clémenceau, l'omniprésence dans les rues des villes et des villages de France. Partout, il y a une plaque à son nom, comme partout, il y a un monument aux morts. Le jour des obsèques nationales, avec le corbillard sous l'arc de triomphe, avec le testament légendaire. Je donne 50 000 francs aux pauvres. Je désire être porté au cimetière dans leur corbillard. Je refuse l'oraison de toutes les églises. Je demande une prière à toutes les âmes. Je crois en Dieu. Ce jour est une date dans l'histoire sentimentale de la France contemporaine. Pendant le siège, on a donné son nom à un canon dont il a payé la fonte avec les droits d'auteur des châtiments. Il y a des mouchoirs imprimés à son effigie, des élixirs, des encres. Des magasins à son nom, en attendant les billets de banque. Chacun connaît son visage de prophète barbu, de grand prêtre de la religion républicaine, et la caricature tout le long de sa vie a témoigné de sa popularité. Gavroche, Jean Valjean sont moins des personnages littéraires, ils appartiennent moins à la fiction qu'à une sorte de réalité légendaire. Roman feuilleton de génie,
Les Misérables deviendront, et dès le cinéma muet, des à plusieurs reprises films à épisodes. Lorsque le TNP joue Marie Tudor, lorsque la Comédie de l'Est a l'idée de monter 1000 francs de récompense, il retrouve tout de suite ce public, ce peuple qui, le cœur battant, lit le roman feuilleton ou suit le film à épisode. La tragédie aujourd'hui, c'est la politique, a dit Napoléon, et bien la popularité aussi. Hugo est le seul qui ait fondé une part de son œuvre poétique sur la mémoire historique, sur la part publique de l'homme. Le mariage de Roland, M. Rio, l'aigle du casque, le cimetière d'Ello. La légende des siècles, c'est la plus belle imagerie d'Épinal pour ce manuel d'histoire du certificat d'études que chaque citoyen français porte en son cœur. Mais Hugo n'est pas seulement historien, il est politique. C'est-à-dire que, après avoir accueilli dans sa vie et dans son œuvre le reflet de tous les grands événements du siècle, il naît au moment où l'Empire va succéder au consulat. L'année de Madrid 1811 lui fait connaître la rumeur de la gloire militaire impériale, puis l'éclat confortable de la Restauration dore sa vie. Royaliste pensionné par Louis XVIII, il assiste à Reims au sacre de Charles X, il est père de Louis-Philippe et il deviendra l'un des familiers de Louis-Philippe. Eh bien, il va dépasser cette complicité passive dans le sens d'un engagement courageux et finalement profitable. Il a été un homme d'ordre, partisan de la monarchie bourgeoise de Louis-Philippe. Il soutient en 1848 la candidature du prince Louis-Napoléon Bonaparte. Il est élu député conservateur en 1849. Mais, déjà, il fait scandale par son discours fameux sur la misère. Il parle contre la loi Falloux et il tentera d'organiser, et même physiquement, la résistance au coup d'État du 2 décembre. Sur le rocher de l'exil, à Guernesey, il se dressera comme la statue de la République proscrite, mais assurée de renaître, car, à la différence du rocher de Sainte-Hélène, le rocher de Guernesey regarde vers l'avenir. Personne n'attendra de moi que j'accorde, en ce qui me concerne, un moment d'attention à la chose appelée amnistie. Dans la situation et la France, protestation absolue, inflexible, éternel, voilà pour moi le devoir. Fidèle à l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de ma conscience, je partagerai jusqu'au bout l'exil de la liberté. Quand la liberté rentrera, je rentrerai. Politiquement, Hugo est un gêneur et certainement un maladroit, et les professionnels se débarrasseront de lui très aisément. Il donnera sa démission de député de l'Assemblée nationale le 8 mars 1871. Mais le peuple voit en lui un guide et il le lui prouve en l'acclamant garde du Nord le jour du retour de l'exil. Il le lui prouve en manifestant sous ses fenêtres le 27 février 1881 lorsque le vieux poète entre dans sa 80e année. Grâce à cet engagement politique, grâce à l'imagerie d'Épinal de la légende des siècles, grâce aux misérables livres de charité, comme l'a dit Baudelaire, qui dénonce les enfers sociaux, prostitution pour la femme, prolétariat pour l'homme, ignorance pour l'enfant. Grâce à tout cela, Hugo sera le dieu du catéchisme de l'enseignement primaire. Son éloquence magnifie les croyances généreuses par lesquelles la Troisième République a tenté de remplacer les croyances religieuses. Amour de la liberté, volonté de justice,
foi dans un progrès social obtenu, conquis dans la bienveillance, foi dans la science et celle-là même des cosmonautes, qui est précisément prévue dans Plein Ciel, le poème de la légende des siècles, croyance en Dieu, mais en un Dieu lumière, en un Dieu raison. C'est beaucoup, mais dans l'ordre de la littérature, cela ne suffit quand même pas à fonder la grandeur de Victor Hugo. La littérature, en effet, n'est pas destinée à l'expression des sentiments civiques ou des souvenirs historiques. La littérature, c'est le langage d'un homme plus discret, plus secret et plus durable. D'où le dédain qu'ont éprouvé très souvent les littérateurs, les spécialistes de la littérature, qui ne voient dans Hugo que cette première image que je viens d'évoquer. N'importe, Hugo a toutes les gloires de rechange que l'on peut souhaiter. Il est aussi le théoricien et le représentant le plus brillant d'un mouvement précisément littéraire qui est le mouvement romantique. La préface des Contemplations dit que le recueil constitue ce que Hugo appelle les mémoires d'une âme. Eh bien, de l'œuvre tout entière, on peut dire qu'elle est au moins partiellement, ou plutôt bribe par bribe, les mémoires d'une âme. L'œuvre tout entière nous permet de recueillir les images qui jalonnent la biographie du moi subjectif. Les poèmes où il évoque sa naissance à Besançon. Ce siècle avait 2 ans. Les souvenirs de l'Espagne, le jardin des feuillantines, ces poèmes, bien entendu, sont dans toutes les mémoires. Mais ici, ce qui est remarquable, c'est que les références à l'enfance ne jouent pas du tout le rôle qu'elles joueront dans la poésie de Baudelaire ou dans la poésie des symbolistes en général. La poésie de Hugo est tournée vers l'avenir. La vie dont se souvient sa poésie, c'est essentiellement l'expérience adulte, quand le projet et l'expérience se rejoignent. L'adolescence y tient une beaucoup plus grande place que l'enfance. L'amour du jeune homme vierge pour celle qui sera sa femme Adèle Fouché et qu'il épousera en 1822 est transposé, nous le savons, dans Andisland. Mais c'est Juliette Drouet qui deviendra sa maîtresse en 1833, qui le rejoindra dans son exil et qui ne mourra qu'un an avant lui. C'est Juliette Drouet qui inspirera le plus grand nombre de pages. Juliette Drouet, c'est la Cosette des Misérables, et c'est elle dont le souvenir dans l'illustre Tristesse d'Olympio est opposé à la fuite du temps, à l'oubli de la nature et chargé d'immortalité. Toutes les passions s'éloignent avec l'âge, l'une emportant son masque et l'autre son couteau, comme un essaim chantant d'histrions en voyage dont le groupe décroît derrière le coteau. Mais toi, rien ne t'efface, amour, toi qui nous charmes, toi qui, torche ou flambeau, luit dans notre brouillard, tu nous tiens par la joie et surtout par les larmes, jeune homme. On te maudit, on t'adore, vieillard. Dans ces jours où la tête au poids des ans s'incline, où l'homme sans projet, sans but, sans vision, sent qu'il n'est déjà plus qu'une tombe en ruine où gisent ses vertus et ses illusions, quand notre âme en rêvant descend dans nos entrailles, comptant dans notre cœur qu'enfin la glace s'atteint, comme on compte les morts sur un champ de bataille, chaque douleur tombé et chaque songe éteint, comme quelqu'un qui cherche en tenant une lampe, loin des objets réels, loin du monde rieur, elle arrive à pas lents, par une obscure rampe jusqu'au fond désolé du gouffre intérieur. Et là, dans cette nuit qu'aucun rayon n'étoile, l'âme, en un repli sombre où tout semble finir, sans quelque chose encore palpité sous un voile. C'est toi qui dors dans l'ombre, ô sacré souvenir.
dans la salle à manger de Hauteville House, au dos du fauteuil plus imposant que les autres qu'il occupe, il a fait broder en lettres gigantesques le mot « pater ». Les sentiments du père, les sentiments du grand-père tiennent une place importante dans l'œuvre comme dans la vie. Sentiments de bonheur, de fierté, de la paternité, mais sentiments surtout de désespoir, le désespoir qui l'accable après la mort de Léopoldine à Villequier en 1843. Désespoir qui inspire l'éloquente interpellation à Dieu que nous connaissons tous et qui inspire aussi les strophes plus simples et, à mon avis, beaucoup plus poignantes où palpite blessé le souvenir du bonheur. Le soir auprès de ma bougie, elle jasait à petit bruit, tandis qu'à la vitre rougie heurtaient les papillons de nuit. Toutes ces choses sont passées comme l'ombre et comme le vent. Que te sert, ô Priam, d'avoir vécu si vieux ? Ce vers de toute la lyre dit la tristesse de l'homme sur qui les deuils ne cessent de s'abattre. Folie de son frère Eugène, mort de Léopoldine, mort du petit Georges, le premier petit-fils, mort de Madame Hugo, mort de Charles Hugo, internement de sa fille Adèle, mort de François-Victor Hugo. Le survivant solitaire vit dans la familiarité de la mort et cette intimité nocturne, parle dans quelques-uns de ses plus hauts poèmes, par exemple dans « Paroles sur la dune ». Comme le souvenir est voisin du remords, comme à pleurer tout nous ramène, et que je te sens froid en te touchant, ô mort, noir verrou de la porte humaine. Et je pense, écoutant gémir le vent amer, et l'onde aux plis infranchissables. L'été rit, et l'on voit sur le bord de la mer fleurir le chardon bleu des sables. La même année, 1854, il écrit les strophes mystérieuses où il se compare à un escalier, l'escalier ténèbre, où les pas de la mort ne cessent de monter et de descendre. Je suis fait d'ombre et de marbre, comme les pieds noirs de l'arbre, je m'enfonce dans la nuit. J'écoute, je suis sous terre. D'en bas, je dis au tonnerre, attends, ne fais pas de bruit. Moi qu'on nomme le poète, je suis dans la nuit muette, l'escalier mystérieux. Je suis l'escalier ténèbre, de mes spirales funèbres, l'ombre ouvre ses vagues yeux. Laissez la clé et le peine, je suis l'escalier, la peine médite, l'heure viendra. Quelqu'un qu'entoure les ombres montera mes marches sombres et quelqu'un les descendra. Le 2 novembre 1872, le jour des morts, la disparition de son ami Théophile Gautier lui inspire le chant le plus solennel, le plus splendidement, le plus sombrement rayonnant qui, peut-être, est jamais monté vers la mort. Ami, je sens du sort la sombre plénitude. J'ai commencé la mort par de la solitude. Je vois mon profond soir vaguement s'étoiler. Voici l'heure où je vais aussi, moi, m'en aller. Mon fil trop long frissonne et touche presque au glaive. Le vent qui t'emporta doucement me soulève et je vais suivre ceux qui m'aimaient, moi, banni. Leur œil fixe m'attire au fond de l'infini. J'y cours. Ne fermez pas la porte funéraire. La poésie de Hugo n'est pas seulement, comme les autres poésies romantiques, un lyrisme éclatant. Elle est une interrogation
opiniâtre, insistante d'un univers mystère. Elle est une ouverture, elle est un abandon à l'univers comme présence et comme secret. Cette inspiration cosmique, elle a toujours été latente chez Hugo, bien entendu, nous la retrouvons très tôt dans des poèmes comme « La pente de la rêverie » ou comme dans le poème dédié à Albert Dürer. Mais avant 1850, la dimension, disons, visionnaire est certainement beaucoup moins sensible que la dimension épique ou que la dimension lyrique. C'est entre 1850 et 1870 qu'il écrira tout ce qui fait de son œuvre un monument véritablement unique et insolite, achevant sans doute ce qui appartient à une lancée antérieure, le roman des Misérables, l'épopée de la légende des siècles, mais surtout ouvrant ce qui était fermé ou ce qui n'était qu'entrebâillé, l'espace surnaturaliste. Il utilise l'expression que l'on trouve aussi, on le sait, chez Nerval, l'espace surnaturaliste dont relève le William Shakespeare, Dieu, la fin de Satan, tant de poèmes qui prendront place dans les quatre vents de l'esprit et dans toute la lyre, les travailleurs de la mer et, bien entendu, les dessins. Les dessins qui sont tellement représentatifs de la dimension la plus profonde de Hugo. 1850, 1870, ce sont les 20 ans de l'exil. Sans doute, ces années correspondent à un approfondissement intérieur et à un perfectionnement technique qui peuvent apparaître comme naturellement apportés par la maturité, par l'âge. Mais cette maturation se serait-elle produite si Hugo avait continué à vivre à Paris, dans le tumulte du divertissement, dans les honneurs? Je ne crois pas, car quand il retrouvera ce tumulte, ces honneurs, il a encore devant lui plus de 10 ans à vivre. Qu'en fera-t-il? À peu près rien. L'exil est une patrie. Oui, l'exil fut la patrie de son génie. Ce n'est pas de sa vie que Hugo a tiré son génie, c'est du vide de sa vie. Et il en eut conscience. S'il refuse l'amnistie proposée par Napoléon III en 1859, c'est sans doute parce qu'il ne veut pas détruire sa statue de héros de la République. Mais c'est aussi, je dirais, c'est surtout parce qu'il n'a pas fini d'édifier sa statue d'écrivain. Libre des conventions, des préoccupations sociales, le voici face à face avec le mystère de l'univers, avec la rumeur de l'océan, avec le rayonnement du ciel nocturne, qui cesse d'être des thèmes poétiques, un simple décor pour le drame humain, et qui sont vraiment devenus les seules présences, les seuls interlocuteurs familiers, la bouche d'ombre qui l'interroge. Un vers célèbre de Tristesse d'Olympio dit des choses de la nature qu'elles sont. Les fils mystérieux où nos cœurs sont liés. Un vers moins connu du dernier texte de la légende des siècles, Abîme, écrit en 1853, les appels, ces choses de la nature. Miroir profond, ouvert à l'œil universel. Eh bien, telle est la différence entre une vision lyrique et une vision cosmique. Les choses ne nous renvoient plus notre image, elles ne sont plus le rappel de notre bonheur ou de notre tristesse. Hugo est un homme qui regarde le monde. Doué d'abord d'une acuité visuelle tout à fait exceptionnelle, dont témoignent les prouesses optiques qu'il a rapportées lui-même peut-être avec quelle complaisance et qu'il a accomplies souvent du haut des tours de Notre-Dame ou du haut des tours de la cathédrale d'Anvers. Sur cette acuité se greffe une sorte de religion, une sorte de mythologie du regard. Le regard, c'est le feu, c'est la pointe de la connaissance. Si la connaissance est regard, c'est que la réalité est regardable, c'est-à-dire qu'elle appartient à l'ordre du visible. L'être est-il parce que la vue est, se demande Hugo. La perception est la preuve du réel, mais le réel
ne se donne pas totalement et immédiatement à la perception. Fait pour être vu, pourtant il se dérobe. Et fait pour contempler, le regard, pourtant, doit être d'abord un effort, une exhortation à voir. Il n'est pas de brouillard, comme il n'est point d'algèbre qui résiste au fond des nombres et des cieux, à la fixité calme et profonde des yeux. Il y a donc une histoire du regard et la poésie de Victor Hugo, pour l'essentiel, c'est cette histoire. Il y a d'abord le vu, ce que l'on voit immédiatement. Un recueil, comme chose vue, nous apparaît comme le modèle du grand style de reportage. Et certaines pages des Travailleurs de la mer sont vraiment le modèle d'une écriture cinématographique, la phrase n'étant que le montage des images saisies. Voici l'œil de la caméra qui se fixe sur Guernesey. Granit au sud, sable au nord. Ici, des escarpements, là, des dunes. Un plan incliné de prairies avec des ondulations de collines et des reliefs de roches. Pour frange à ce tapis vert froncé de plis, l'écume de l'océan. Le long de la côte, des batteries rasantes, des tours à meurtrières de distance en distance. Sur toute la plage basse, un parapet massif coupé de créneaux et d'escaliers que le sable envahit et qu'attaque le flot, unique assiégeant à craindre. Souvent des maisons noires goudronnées à l'ouest à cause des pluies. Coques, poules, fumiers. Partout des murs cyclopéens. Des fermes à encadrement de futaies. Les champs murés à hauteur d'appui avec des cordons de pierre sèche dessinant sur les plaines un bizarre échiquier. Parfois, dans le lieu le plus sauvage, un petit bâtiment neuf surmonté d'une cloche qui est une école. Deux ou trois ruisseaux dans des fonds de pré. Ormes et chênes. Un lys fait exprès qui n'est que là. Voilà Guernesey. Pourtant, chez Hugo, nous voyons moins les apparences que nous n'entendons une voix qui témoigne de ce qui existe derrière les apparences. De ce monde contemplé, de ce monde éblouissant, s'élève un cœur insistant, confus, tantôt gémissement, tantôt hurlement. Hugo écoute, mais cette écoute est en même temps l'attente d'un regard prêt à bondir. Car il semble que cette voix dise le désir, dise l'effort des choses, de tourner vers le soleil de notre regard, leur face dérobée. Si le monde se plaint, c'est de la gangue ténébreuse qui le tient, c'est de l'invisible dont s'appesantit sur lui la serre cruelle. Dans l'une des plus belles pages de la légende des siècles, le satyre, écrit qui date de 1859, le satyre qui représente l'homme dans ce qu'il a de lucidité et aussi d'infirmité, le satyre dévoile aux dieux qui, eux, ne perçoivent que la splendeur du monde, l'univers apaisé, content, mélodieux. Ce revers ténébreux de la création. Que dissimule son envers de clarté. Le satyre chanta la terre monstrueuse, l'eau perfide sur mer. Dans les champs, tortueuse, sembla dans son prélude errer comme à travers les sables, les graviers, l'herbe et les roseaux verts. Puis il dit l'océan, typhon couvert de bave. Puis la terre lugubre avec toutes ses caves, son dessous effrayant, ses trous, ses entonnoirs. Où l'ombre se fait onde, où vont des fleuves noirs, où le volcan noyé sous d'affreux lacs, regrette la montagne son casque et le feu son aigrette, où l'on distingue au fond des gouffres inouïs les vieux enfers éteints des dieux évanouis. Il dit la sève. Il dit
la vaste plénitude de la nuit, du silence et de la solitude, le froncement pensif du sourcil des rochers, sorte de mer ayant les oiseaux pour nocher, pour algue le buisson, la mousse pour éponge, la végétation aux mille têtes sont. Mais qu'importe à la terre, au chaos contigu elle fait son travail d'accouchement sans fin, elle a pour nourrisson l'universelle fin. Ses vers sont cinq, en bas, les racines s'allongent, les arbres sont autant de mâchoires qui rongent les éléments et partent dans l'air souple et vivant. Tout leur est bon, la nuit, la mort. La pourriture voit la rose et lui va porter sa nourriture. L'herbe vorace broute au fond des bois touffus. À toute heure, on entend le craquement confus des choses sous la dent des plantes. On voit paître au loin de toutes parts l'immensité champêtre. L'arbre transforme tout dans son puissant progrès. Il faut du sable, il faut de l'argile et du grès. Il en faut au lentisque, il en faut à l'ieuse, il en faut à la ronce. Et la terre joyeuse regarde la forêt formidable manger. Le satyre semblait dans l'abîme songer. Il peignit l'arbre vu du côté des racines, le combat souterrain des plantes assassines, l'antre que le feu voit, qu'ignore le rayon, le revers ténébreux de la création, comment filtre la source et flambe le cratère. Il avait l'air de suivre en esprit sous la terre, il semblait épeler un magique alphabet. On eût dit que sa chaîne invisible tombait, il brillait, on voyait s'échapper de sa bouche son rêve avec un bruit d'ailes vague et farouche. Les forêts sont le lieu lugubre, la terreur noire y résiste même au matin, ce d'horreur. Les arbres tiennent l'ombre enchaînée à leurs tiges, derrière le réseau ténébreux des vertiges, l'aube est bas. Si, comme le dit la bouche d'ombre, tout est plein d'âme. Cette consanguinité entre l'homme et l'univers n'est rassurante, n'est apaisante que dans l'expérience du lyrisme superficiel. Arbre de la forêt, vous connaissez mon âme. Pour le visionnaire, cette animation du monde est source d'épouvante. Car ce sont des cris de torturés, ce sont des plaintes de captifs qui s'échappent du monde. Le monde souterrain, où les choses plongent leurs racines. C'est un monde du mal, parce qu'il est, comme d'ailleurs celui de la société humaine, une jungle où les forts dévorent les faibles, ainsi que viennent d'en témoigner les paroles du satyre. Mais ce n'est pas seulement le monde végétal qui est la proie de ce mouvement, de cette guerre, de ce massacre. Dans ce ciel, dont la familiarité atténue pour nous la présence incompréhensible, il est effrayant de penser que de nouvelles vagues d'étoiles sont peut-être en train de se former. Les firmaments sont pleins de la sève vivante, comme les animaux. L'arbre prodigieux croise, agrandit, transforme et mêle aux cieux profonds comme une gerbe énorme cet ténébreux rameau. Peut-être en ce moment, du fond des nuits funèbres, montant vers nous, gonflant ses vagues de ténèbres et ses flots de rayons, le muet infini, sombre mer ignorée, roule vers notre ciel une grande marée de constellations. La violence, la malfaisance du chaos est toujours en éveil, comme le feu dans le volcan. Mais ces éruptions destructrices ne sont-elles pas vouées elles-mêmes à la disparition? La mort n'est-elle pas le dernier nom du mal? La mort qui parle dans les strophes extraordinaires de l'épopée du vers. Je suis dans l'enfant mort, dans l'amante quittée, dans le veuvage prompt à rire, dans l'athée.
dans tous les noirs oublis. Je suis le roi muré, j'habite le décombre, j'abrège les rayons. La comète est un monde éventré dans les ombres qui se traînent, laissant de ses entrailles sombres sa lumière tombée. C'est pourquoi la nature que voit le visionnaire est une nature meurtrie, sanglante, comme assassinée. On a peur quand l'aube qui s'éveille fait une plaie au bas des cieux, rouge et vermeil. On a peur quand la bise épand son long frisson. On a peur quand on voit vagues à fleurs d'horizon montrant dans l'étendue au crépuscule ouverte son dos mystérieux d'or et de nacre verte ramper le scarabée effroyable du soir. Avec leurs yeux crevés, avec leurs yeux aveuglés par la glaise ténébreuse, les choses tentent de voir l'invisible qui les étreint, mais l'invisible leur échappe et il échappe également au regard humain. Et le pire, c'est ce tâtonnement d'aveugle de la création et des créatures. Avec ce regard halluciné qui est celui de tant de photographies de Guernesey, le poète s'éveille dans la nuit, touché par l'insaisissable fantôme. On a, sur ce qu'on garde encore de forme humaine, d'obscurs attouchements et des passages froids. Toute l'ombre n'est plus qu'une suite d'effroi. On sent les longs frissons des roseaux de l'abîme. Mais, de même que les choses tentent d'échapper à leur gangue nocturne en s'efforçant de la voir, le poète tente de découvrir l'invisible, et rien n'est plus extraordinaire que cet effort de Hugo pour imaginer la structure visuelle de l'invisible, pour déchiffrer la géométrie des ténèbres. Quand Satan, dans sa chute, voit s'éteindre le dernier astre, le dernier jet de soufre découpant au loin mille formes funèbres, énormes, illumina jusqu'au fond des ténèbres les porches monstrueux de l'infini profond. Les angles que la nuit et l'immensité font apparurent. Dieu, le grand poème posthume, c'est le mythe de cette tentative du regard humain pour accéder à l'invisible. Endormi, le poète a une vision, il est emporté hors de la terre, hors du temps, hors des événements humains, et au-delà des formes symboliques qui viennent vers lui, et qui représente les différentes religions, c'est-à-dire les différents visages de l'inconnu, de la chauve-souris, de l'athéisme, à l'ange du rationalisme, en passant par le vautour du paganisme et par le griffon chrétien. Au-delà de ces formes, le poète convoite l'ultime secret qui est Dieu. Et ces vers admirables évoquent l'évanouissement à soi-même de celui et qui est sur le point d'entrer vivant dans l'absolu. Dans l'obscurité sourde, impalpable, inouïe, je me retrouvais seul, mais je n'étais plus moi. Ou du moins, dans ma tête, ouverte au vent d'effroi, je sentis, sans pourtant que l'ombre et le mystère eussent cassé le fil qui me lie à la terre, monter. Aussi, entrer presque au dernier repli comme une crue étrange et terrible d'oubli. Je sentis dans la forme obscure pour moi-même que je suis et qui, brume, erre dans le problème, presque s'évanouir tout l'être antérieur, si bien que le fantôme et l'effrayant rieur et tous les êtres noirs sortis du gouffre énorme n'étaient plus qu'un nuage en ma mémoire informe, et que mon souvenir en un instant perdit tout ce que Légion par cent voix m'avait dit. À peine de ma vie avais-je encore l'idée, et ce que jusqu'alors larve aux lueurs guidées j'avais nommé mon âme, était je ne sais quoi dont je n'étais plus sûr et qui flottait en moi. Il ne restait de moi qu'une soif de connaître
une aspiration vers ce qui pourrait être, une bouche voulant boire un peu d'eau qui fuit, fût-ce au creux de la main fatale de la nuit. Mais au moment de toucher l'absolu, le poète rêve qu'il meurt et il s'éveille. Interrogeons un peu ce mythe. Eh bien, ce mythe nous dit que l'absolu ne peut apparaître au regard humain le plus pénétrant que comme ces architectures de ville que l'on aperçoit dans le lointain, les murs de la ville sont infranchissables pour le vivant. Toute vie est cécité, demi-cécité, parce que la vie est engagée dans le mal, et le mal, c'est l'obscur. L'obscurité ici, ce n'est pas seulement une limite pour notre connaissance, c'est quelque chose de réel, de substantiel, c'est le mal. Il faut donc que le mal se dissipe pour que s'accomplisse l'assomption lumineuse. Et cette assomption se réalisera au terme d'une marche, au terme d'une histoire qui est à la fois une histoire subjective, une histoire temporelle et une histoire métaphysique, qui est à la fois marche de l'homme vers la lumière par la mort, marche de la société vers la lumière par le progrès, et enfin marche de la création vers la lumière par le pardon que Dieu accordera finalement à Satan et qui signifiera la fin de Satan. Ce monde terrifiant est donc un monde soulevé par un mouvement vers la lumière, soulevé par une certitude rédemptrice. Et l'optimisme métaphysique, je crois en Dieu, c'est ainsi s'achève le testament de Victor Hugo, rejoint ici l'optimisme social que Hugo partage avec son époque. Mais il est juste de retenir surtout de Hugo ce qu'il ne partage avec personne, cette voix que nous venons d'entendre. Il est d'abord l'homme de la conscience ouverte, dilatée, submergée par l'horrible et incompréhensible chaos. Il s'est évoqué lui-même « Le soir, au crépuscule, du haut d'une falaise, à l'approche refroidissante de la marée qui monte, l'œil égaré, perdu dans tous ses plis de l'obéissance au vent. » Oui. Il est l'œil égaré, perdu dans tous ces plis énigmatiques que fait le monde. Il s'est penché au bord de l'inconnaissable et jusqu'à l'effleurement de la folie. Il faut extravaguer. Cette ouverture au souffle de l'inconnu est nécessaire à la vie profonde de l'art. L'art respire volontiers l'air irrespirable. Et il connaît le prix de cette ouverture. Ces empiétements sur l'ombre ne sont pas sans danger. La rêverie a ses morts, les fous. On rencontre çà et là des cadavres d'intelligence. Ces fouilleurs de l'âme humaine sont des mineurs très exposés. Des sinistres arrivent dans ces profondeurs. Il y a des coups de feu grisous. Si Hugo manquait à notre littérature, il lui manquerait sans doute le poète lyrique d'Avilquier et d'Olympio, le pamphlétaire des châtiments, le chroniqueur de la légende nationale, le versificateur qui a mis le bonnet rouge au vieux dictionnaire, le dramaturge qui, avec Cromwell ou avec Hernani, a installé le mélange des genres dans la disparition des unités classiques. Mais qui ne sent qu'il manquerait surtout à notre littérature cette voix de stupeur et de délire? Car la littérature française est une littérature humaniste, et la poésie moderne au fond ne l'est pas moins que notre XVIIe siècle. Si les images du monde nourrissent cette poésie moderne, ces images ne sont le plus souvent que les échos, que les correspondances de nos cœurs. Le monde est un décor pour l'homme qui est la mesure de l'être. Pour Hugo, c'est le monde qui impose à l'homme sa démesure. D'autre part, la littérature française, même dans ses formes poétiques les plus inspirées, les plus abandonnées, est une littérature concertée, délibérée. Elle travaille très subtilement pour obtenir un charme, un éblouissement, une magie. Hugo est le seul grand poète naïf, le seul grand poète hors littérature.
ce qu'il dit, ce n'est pas ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il voit. On me dira qu'il n'y a pas de plus habile, de plus prestigieux virtuose que lui. Oui, dans les djinns ou dans l'aigle du casque. Non point dans cet immense procès-verbal de la découverte cosmique dont nous venons de voir quelques moments. Sans doute, sa technique est souveraine, et Mallarmé, qui s'y connaît, dira de Hugo qu'il fut le vers personnellement. Mais il s'agit d'une souveraineté naturelle, il s'agit de l'identité presque parfaite entre un outil prosodique et la respiration spontanée d'un langage. Trouvant toujours le sens, comme l'eau, le niveau, le mot, ici, est un signe expressif, et non point une note de musique ou une touche de couleur dont l'artiste peut jouer en vue de produire un certain effet. À preuve, la monotonie du langage, que Hugo bien entendu eût évité, pour peu qu'il eût songé à jouer avec lui, car les vagues d'Alexandrin déferlent inlassablement, avec leurs mots aussi monotones que leurs rimes, ombre et sombre, terrible et horrible, funèbre et ténèbre, sans souci de la redite, car Hugo ne cherche pas l'expression parfaite qui annulerait toutes les autres. Il crie chaque fois qu'il a besoin de crier. Lui qui encombre tout le siècle, qui porte les couleurs de tous les événements du siècle, artistiques et politiques, lui, le plus grand rhéteur, comme on le prétend, de notre littérature, il fut le seul à donner une voix à l'étonnement oublié, à l'étonnement élémentaire de l'homme qui s'éveille aux prodiges du monde.